Bonjour les enfants, je suis heureuse d'être avec vous pour le dernier Kids Time de l'année 2020. Et oui, l'année touche à sa fin. Une année particulière, difficile, bouleversante parfois. Mais une année où l'on a pu s'émerveiller de qui est Dieu. Un Dieu sur qui on peut compter en toutes circonstances. Une année où l'on a dû apprendre à s'adapter, à voir les choses sous un autre angle, c'est-à-dire différemment. Regarde plutôt ça. En parlant de voir les choses différemment, sais-tu qu'il y a différentes façons de voir ce verre? À l'envers? Non. À l'endroit? Toujours pas. Avec des lunettes? Non, non, non. Regarde plutôt. Admettons que l'eau de ce verre représente tes joies, ce qui te rend heureux, ce qui te fait sourire, ce qui te plaît, ce qui t'apaise. Et admettons que la partie vide de ce verre représente ce qui te fait peur, ce que tu n'aimes pas, ce qui t'inquiète et ce qui te déplaît. De quelle façon regarder ce verre alors? Même si on ne peut pas oublier cette partie vide, ce qui ne te plaît pas, je t'invite pour cette année 2020 à fixer ton regard sur les bonnes choses et à être dans la reconnaissance. Mais est-ce que tu sais ce que c'est que la reconnaissance? La reconnaissance, c'est tout simplement dire merci. Merci à qui? Merci à Dieu, à notre Père qui est dans les cieux. En fait, nous avons des milliers de raisons de dire merci à notre Dieu malgré les difficultés. Et j'aimerais te raconter l'histoire de Paul et Silas. C'est une histoire que l'on trouve dans la Bible, dans le livre des Actes au chapitre 16. Écoute plutôt. Paul et Silas ont parcouru le monde pour parler de Jésus aux gens. Certaines personnes étaient très heureuses d'entendre parler de Jésus, mais d'autres étaient très en colère parce qu'ils voulaient continuer de faire des choses mauvaises. Ils avaient ordonné que Paul et Silas soient arrêtés, battus et jetés en prison. Le geôlier enferma Paul et Silas en prison et mit leurs pieds dans des blocs de bois. La prison n'était pas un endroit agréable, mais Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Ils se rappelaient que Dieu est toujours bon et digne de louange. Soudain, il y eut un tremblement de terre. Les chaînes de Paul et de Silas tombèrent et les portes de la prison s'ouvrirent. Ils étaient libres. Dieu les avait sauvés. Le geôlier se réveilla en panique. Si les prisonniers s'étaient échappés, il aurait de gros ennuis. Paul et Silas crièrent au geôlier. « Nous ne nous sommes pas enfuis !» Paul et Silas lui parlèrent de Jésus. Le geôlier crut en Jésus. Il emmena Paul et Silas dans sa maison pour parler de Jésus à sa famille. Le geôlier et toute sa maison furent baptisés. En étant reconnaissant et en disant merci à Dieu, même dans les difficultés, on peut être un vrai témoignage autour de nous et emmener tous les gens à se tourner vers Dieu. Et cette semaine, j'ai posé la question à quelques amis, pour quelles raisons souhaitez-vous être reconnaissant en 2020? Regarde. En 2020, je suis reconnaissante parce que j'ai pu passer plus de temps en famille. Et aussi parce que j'ai pu travailler en pyjama. Alors Tess, pourquoi on peut être reconnaissant cette année? Peut-être parce que même si il y a des gens dans ma famille qui sont tombés malades, bah Dieu les a quand même gardés. Alors moi en 2020, je suis reconnaissant parce que Dieu a été fidèle malgré les circonstances. Et je suis aussi reconnaissant parce que grâce au confinement, j'ai pu tester le rêve de toute une vie. J'ai testé les couettes. Je suis reconnaissant parce que j'ai pu prendre soin de ma santé spirituelle et aussi de ma santé physique. Alors moi, en 2020, je suis reconnaissante parce que ma petite fille est née et aussi parce que cette année, pour la première fois, grâce au masque, je n'ai pas eu la gastro. En 2020, je suis reconnaissant parce que j'ai trouvé du travail. Pourquoi on peut être reconnaissant cette année? Peut-être parce qu'on a eu beaucoup de masques. Regarde tout ce que j'ai. Je suis reconnaissante pour cette année parce que avec Ludo, mon mari, on s'est rapproché de plusieurs voisins. Je suis reconnaissante aussi parce que cette année, ma maison n'a jamais été aussi propre et rangée. Oh oui, moi aussi, j'en ai pas mal, regarde. Oui, mais moi j'en ai un de Noël comparé à toi. Oh. Merci les amis d'avoir répondu à ma question. Alors les enfants, ce qu'il faut retenir pour aujourd'hui, c'est que nous devons être reconnaissants.
nous pouvons dire merci pour qui est Dieu? Un Dieu d'amour, un Dieu fidèle qui prend soin de nous et pour tout ce qu'il nous donne. Il nous donne de quoi nous vêtir, de quoi manger et il nous donne une famille. Alors merci Seigneur. Et toi, pour quelle raison veux-tu être reconnaissant en 2020?